Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Jérôme. On devait se voir au domaine provincial de Chevetogne. J'avais pas bien compris son message, mais il me parlait d'accompagnement touristique. Alors, ils sont où les touristes ? Visiblement, il n'était pas question d'accompagner des touristes. Bon, allez, c'est pas grave. Mais bien de lui donner un coup de main dans un dossier d'accompagnement pour une commune. Bon, allez, suis-moi, on va être en retard à la réunion. Jérôme m'a expliqué que le BEP accompagne les communes dans leur développement touristique. Il peut s'agir de la réalisation de signalétiques touristiques, d'études stratégiques pour des projets thématiques, de procédures urbanistiques, la recherche d'investisseurs potentiels ou encore le montage de dossiers de financement. Il m'a donné des tas d'exemples où le BEP est intervenu, comme le domaine des Grottes de Han, l'éclairage de l'abbaye de Brogne, la stratégie de développement de l'abbaye de Maritsou, le balisage de circuits touristiques ou de Ravel, et même le financement de plaines de jeux, comme ici, à Chevetogne. À Chevetogne ! Allez, suis-moi. Bon, c'est ici. Prête ? Ouais. Bonjour à tous, désolé pour ce léger retard. Une réunion en short, ça va le faire. N'empêche, c'est dingue tout ce que le BEP fait pour nous.